Venons chez nous du côté d'Ennevelin et de Templeuve, car quatre aurochs ont été abattus hier. Les aurochs, ce sont ces espèces rares implantées dans la région par l'association Gaïa, proche de la famille des taureaux. Dans la nuit de mercredi à jeudi, à Ennevelin, quatre d'entre eux ont profité d'un trou dans leur clôture pour s'échapper. Hier, les responsables des communes d'Ennevelin et de Templeuve ont tout tenté pour les rattraper. Mais après cette fuite, les autorités n'ont voulu prendre aucun risque. Considérés comme des dangers publics, les aurochs ont été tués. La clôture a volontairement été découpée. Les actes de vandalisme de ce type sont courants. Nous avons contacté par téléphone l'éleveur. Il y a eu pas mal de tergiversations parce qu'on essayait à toute fin de trouver une solution qui permette de ne pas procéder à cet abattage. Et finalement, l'ensemble des personnes a émis un avis défavorable à ce que nous tentions une anesthésie. Alors, pour des raisons techniques qu'on peut facilement expliquer, c'est qu'on était obligé d'approcher à 25 mètres des animaux pour pouvoir tirer les seringues hypodermiques. Or, il était matériellement impossible de les approcher à cette distance. Dès lors, il n'y avait plus que le tir à balle qui pouvait être efficace, quoi.